tout le monde. Donc, on se retrouve pour un partenariat que j'ai eu avec Globeland. Cette boutique m'a contactée il y a déjà quelques semaines et j'avais pas forcément répondu. J'avais pas pris le temps d'aller voir sur leur site ce qu'ils avaient. Et je m'y suis penchée il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc, le colis a mis à peu près 15 jours, 3 semaines à arriver. Et franchement, je suis super étonnée de tout ce qu'on peut avoir en partenariat avec eux. Franchement, j'ai rien à redire. Au niveau de la quantité, c'est vraiment super chouette. Je vous ferai certainement, je mettrai quelques tampons que j'ai eu avec Globeland dans mon lot concours pour faire connaître la marque. Et je les remercie d'ailleurs pour ce partenariat, mais je vous en mettrai quelques-uns dans différents lots concours que j'ai pu avoir. Voilà. Pour vous faire connaître un petit peu la marque. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là. J'ai regardé, j'ai eu le droit à un montant partenariat. Et pour le coup, il y avait des lots. Donc, moi, j'ai dit, tiens, je vais prendre des lots. Je me dis, ça doit être des tout petits tampons. Voilà, je ne me suis pas plus que ça tracassée. Et quand j'ai vu l'enveloppe arriver, j'ai dit, waouh. Alors là, franchement, ça, j'appelle ça du partenariat. Je vous mettrai en barre de description donc les objets que j'ai eus et pour le prix que j'ai eu, c'était franchement, je crois que celui-ci était à 99 centimes, je crois. Voilà, donc ça, c'est mon premier tampon que j'ai choisi. Je l'ai trouvé super belle. Franchement, de très très belles jeunes filles. J'ai pas testé le tamponnage, mais franchement, super chouette. Voilà, un des premiers tampons que j'ai choisi. Le deuxième tampon que j'ai choisi à l'unité, c'est pareil, il était à 99 centimes. C'est celui-ci, vous allez me dire, oui, on n'est pas à Halloween, mais franchement, je l'ai adoré. Ça a été un des premiers tampons que j'ai choisi, parce que franchement, il était magnifique. Voilà. Même sur une page de Mix Media, il est franchement tip top. J'adore. Voilà. Donc voilà pour ça, c'était à l'unité. Ici, ils étaient en lot. Donc les lots, je crois qu'ils étaient entre autour de 9 euros, je crois. Donc je vous mettrai le premier lot que je vais appeler enfantin. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais me le noter. Donc là, ça va être le lot enfantin. Vous puissiez le retrouver. Voilà. Donc ce lot se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planches. Donc voici la première planche avec les petits chiens. Le petit dragon. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'en mettrai dans mon lot concours, bien entendu. Je garderai pas tout ça pour moi. Voilà. Alors, les petits gnomes comme ça, je les ai adorés. Franchement, ça, ça a été un de mes coups de cœur. La petite fille sous la pluie. Voilà, j'essaie de vous mettre de sorte à ce que vous n'ayez pas la lumière. Regardez-moi les petites cerises, elles sont trop choupinou. Le nounours igloo. Un petit peu de soleil et d'été avec cette planchie. Où on voit notre paresseux, l'éléphant. Voilà. Et celle-ci avec les petits flamants. Voilà. Donc ça, c'est un premier lot. Hop, je remets tout en même temps pour pas les mélanger. Donc ça, c'est le lot enfantin.
Le deuxième lot, je pense que celui-ci, je vais l'appeler 4 saisons, puisque de mémoire, il y a plusieurs saisons dedans. Donc, nous avons... Alors, il me faudrait une petite feuille. Hop, et ben, je vais prendre ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, pour Noël. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas bien. Une feuille... Non, pas du blanc, là. C'est bizarre. Vous allez mieux voir. Donc, sur le thème de Noël. Alors, bon, là, ils ont mis l'étiquette. Ah, j'ai essayé de le tourner. Encore sur le thème de Noël. C'est pas toi. Hop. Alors, elle rechigne pas sur l'emballage, hein, je le dis tout de suite. Donc là, nous avons également le thème de Noël. Voilà. Là, nous avons Halloween. Un thème où je n'avais pas pas beaucoup de choses. Et donc là, on découvre vraiment des super petits tampons. Voilà. Ici, nous avons les petites chaussettes de Noël. Voilà. Ici, nous avons encore du Halloween. Pour le coup, je vais être paré pour Halloween, je vous le dis. Regardez-moi les petites citrouilles, vraiment super chouette. Et cette main là, voilà, vraiment très très chouette. Hop. Ici, on a également du Halloween. Nous avons un petit peu d'hiver. Et des petits animaux, je m'étais dit pour faire des attestampes, je trouve qu'au niveau taille, ils sont tip top. Voilà. Donc voici le deuxième lot. Alors j'ai mis 4 saisons, j'aurais pu mettre hiver. Je vais le mettre en 4 saisons. Et nous avons... J'ai un petit peu de place. Le dernier lot. Comment je vais l'appeler celui-ci? Est-ce qu'il lui donne un nom particulier? Non, ils ne lui mettent pas de nom particulier. Eh ben, je vais mettre petit panda, ouais. Je ne sais pas trop. Ça, ce sera le troisième lot. Voilà, donc là ils sont beaucoup plus, un petit peu plus gros. Je vais voir Marie qui est là. Voilà, par exemple, si je prends celui-ci, il fait 5 cm. Donc vraiment, j'ai une petite idée de carte avec celui-ci. C'est pour ça que je l'ai pris. Un petit peu un petit chat Halloween, mais très gentillé. Voilà. Là, je suis refait sur le thème Halloween. Ça peut faire anniversaire, ça peut faire même un déguisement. Pas forcément Halloween, mais peut-être un déguisement puisqu'il y a anniversaire dessus. Nous avons le petit
hérisson. Voilà. Et du coup, le petit panda. Vraiment super chouette. Donc, on les testera ensemble. Je ferai les créas qui vont pour Loboland. Je les remercie infiniment de ce partenariat. Parce que, pour le coup, ça fait quelques tampons. Voilà. Et j'en mettrai quelques-uns dans le lot concours. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je mettrai également donc en barre d'infos les liens vers les produits et le code promo qui m'a été attribué puisque vous avez 10% en commandant chez Globeland. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.